Beaucoup de notre invitation. J'ai bien apprécié ce spectacle interculturel et toute l'atmosphère qui est là. Je connais nos pays. Comment dire, chacun nous amène ce bloc, pas vrai? Chaque nation, chaque pays nous amène ce bloc. Et moi, vous pose-moi une question. Si vous amenez quand ces blocs dans la cour, là, quand vous montez dans la case avec un bloc là, qui vous vient? Ciment. Qui ça a fait du ciment entre les blocs là? Qui ça ciment là? Si vous n'avez pas de ciment, quand c'est le bloc qui vient dans le séminaire. Ciment là, on peut trouver, c'est l'entraide. L'entraide. Pratique. Pas si c'est un grand discours, l'entraide. Je donne un seul exemple. On connaît un village, on a beaucoup de vieux. C'est pas un village qui vit tout seul, tout le monde a du travail, mais personne ne voit qu'il veut. Et madame, vient découvrir ça. Il y a une visite de. Il y a peut-être une grande présence dans la cour, dans notre chambre, dans notre bain. Après ça, les autres madame, les autres communautés trouvent, ça va faire un groupe. Maintenant, il y a indien, il y a tamoul, il y a musulman, il y a chrétien. Je vais faire un groupe de tarifs. Maintenant, je trouve ça. Comme il y a ça dans notre casse, vous n'êtes pas assez matronique, j'ai besoin. Léa, il y a une grande entente dans sa village. Parce qu'il y en a une longue. Dans notre village qu'on connaît, il y a un professeur qui trouvait un petit garçon, professeur, c'est indien. Un petit garçon, il est membre de sa classe. Il prend renseignement, il y a le guéri dans la case. Un petit garçon pleut. Et, il donne une leçon cadeau. Comme on a dit, qui peut te donner une leçon cadeau? Je dis, moi, comme petit enfant, j'ai un professeur chrétien qui donne une leçon cadeau. C'est-à-dire qu'il nous recevra cadeau, vous donne cadeau. Alors, Merci. Merci encore une fois, Monseigneur Pierre.